Bonjour Rose. Alors, je te promets de faire une petite vidéo pour vous sur qui parle des muscles, parce que vous posez un paquet de questions sur les muscles. Et tu vois que si vous me répondez comme ça, ils font un petit jambouillon, bouillon. Donc, je vais essayer de faire un petit résumé pour les muscles. Et vous parlez, dis-moi si ça t'est marché. Alors. Par contre, ce qu'on nous parle, ça oui, les structures macroscopiques, c'est-à-dire que qui j'en garde un muscle lorsque vous n'avez pas besoin de microscope. Et nous pouvons regarder les veines. Donc, regarder les veines, une partie qui aurait les vleins. Vous pouvez retirer les vleins, vous avez chair. Chair en lui-même, c'est lui qui fait muscle. Okay? Parce que vienne, c'est muscle. L'homme mange foie, foie du foie mou, ça, ce n'est pas muscle, ce sont les viscères. Donc, les muscles, ça forme la viande. Et lorsqu'on a coupé le sens de la longueur, où est que viennent il formé de faisceaux. Où est-ce que faisceau là? Lorsqu'on coupé le sens de la largeur, bon, nous pas tellement well, où est-ce que faisceau qui vient là, mais c'est pas de façon évidente. Mais il y a une autre structure parmi vlin qu'on a. Par exemple là, où est-ce que ça? Ça, c'est un nerf. Okay? Donc, ce sont des ramifications nerveuses qui vont dans le muscle. Donc, on a, lorsqu'on va le nettoyer, viennent. Je suppose qu'on a fait attention, qu'on a gardé, ou après que bien, ça ou les vleins qui recouvrent les muscles, nous parlons de l'épinisium, périnisium, tout ça, avec fascia. Donc, c'est tout vleins. Et parmi les vleins, on a joué des vaisseaux, des nerfs, là où tu as un vaisseau que tu vas retrouver à l'intérieur des muscles. Alors, le muscle, là, nous parlons du muscle squelettique, c'est-à-dire le muscle qui est attaché à os, la partie qui est attachée à os, le tendon. Et peau blanche, okay, c'est le fascia. Et à l'intérieur du fascia, on a un deuxième type, l'épimysium. Et à l'intérieur de l'épimysium, sous-gardé, donc là, on va retrouver fibres, okay, les faisceaux, ce qu'on appelle les faisceaux de fibres, ou pas le venin là. Et voilà, ce sont donc les faisceaux de fibres. Maintenant, l'eau coupée, par contre, si vous regardez, bah, ça bien parce que photo n'a pas fini pour bon, là, vous voyez l'ensemble des faisceaux de fibres. Okay? Faisceaux de fibres. Vous avez souvent un petit fibre petit hein, et que vous l'ouvrez et vous regardez au microscope, vous voyez que là, on dit sorti dans l'aspect macroscopique, hein, ou après que le formé de fibres musculaires. Alors, pour les fibres musculaires, nous faisons une structure microscopique. Fibres musculaires, en fait, quoi de s'allier? Ces cellules musculaires. Comme la cellule musculaire est allongée, donc il y a les fibres musculaires. Donc, son fibre, où elle est formée de noyaux. Quand il y a à l'intérieur de fibres musculaires, ça, vous répétez encore, fibre musculaire, là, c'est la cellule musculaire qui est une cellule allongée. Ou pas, je n'ai pas qu'être l'autre type allongé, ce qui est allongé, qui est les myofibrilles. OK, donc des fibrilles du muscle, myofibrilles. Et la myofibrille, ça, l'on agrandit, les couignons, vous regardez un microscope électronique. Okay, vous pouvez voir que le formé, son paquet de bandes horizontales avec des zones claires, okay, et des filaments. Okay? Filaments, ça, tout filament, ça, il formé myofibrille. Et parmi les filaments, ça, vous avez deux types. Vous avez une qui aurait les myosines et une autre qui aurait les myosines qui épais et une autre qui aurait les actines qui fin. Vous n'avez qui j'ai un nommé, monsieur. Bon, ça, son bagaille, ça, les nomenclatures, c'est déjà compliqué. Parce que, Mounio, il n'y a pas de critères réellement pour nommer monsieur. Donc, ça, c'est fait au petit bonheur la chance, Jean, qui est en français. Donc, vous pouvez nommer monsieur suivant la situation du muscle, côté lié, ainsi au niveau des temples de l'os temporal, ou après les muscles, muscle temporal, entre les côtes, vous pouvez les intercostaux, muscles intercostaux. Suivant la forme du muscle, le deltoïde, c'est un muscle qui a une forme petit triangulaire. Deltoïde veut dire en forme de triangle. Ou bien un muscle qui a les trapèzes. Bien que, moi, personnellement, j'aime bien les trapèzes. J'aime pas les formes de trapèzes. Bon, les anatomistes ont eu beaucoup d'imagination. Ensuite, il y a la taille du muscle. On parle de grand fessier, petit fessier. OK? Long adducteur, court extérieur du pôle. Ensuite, la direction des fibres musculaires. Tu as le muscle droit fémoral. Le muscle transverse de l'abdomen, parce qu'il est transversal aux autres muscles, ça indique donc la direction des fibres. Suivant origine musculaire, biceps, il y a deux origines, donc, ou chef, mais capitis, seps, on appelle ça. Donc, il y a deux origines, biceps, au niveau de la cuisse, il y a quadriceps. Suivant côté le mari, à côté le tâche, le point d'attache, okay, par exemple, il y a un bel type, sterno, cléido, mastoïdien, donc, il est sous sternum.
Clédo pour clavicule mastoïdien pour mastoïde. C'est au niveau des têtes, vos oreilles, au niveau du crâne. Et, par équipe, c'est tout, c'est le muscle suivant son action. Ainsi que le muscle long adducteur que l'on joint sur la face interne de la cuisse, pour bien mettre le long adducteur sur la face interne de la cuisse qui fait l'adduction. OK? Et puis souvent, on va mettre tous les critères ça ensemble pour voir ou non. OK? Par exemple, le long extension radiale du corps, il bon action muscle, extension, côté l'exercice action, là, c'est le corps, et puis sa taille de l'autre. Maintenant, les muscles ont différentes formes. Et la forme, ce qu'on appelle la morphologie, ça va être déterminé suivant les fibres. Ainsi, ça peut être convergent, suivant le muscle grand pectoral, ou bien les muscles circulaires que tu as au niveau de la bouche, par exemple, muscles fusiformes, comme le biceps au niveau du bras. OK? Ou bien muscles parallèles, comme le sartorius, que l'on trouve au niveau de la cuisse. Tu as les muscles multipénés. Okay, comme le deltoïde, muscle bipéné, comme le muscle droit fémoral, okay, et tu as le muscle unipéné. Alors, péné, c'est la forme d'une plume. Okay, ce qu'on appelle, on appelle encore ces muscles-là péniforme. Kounya, le muscle, pour le cas bouger, pour le cas agir, il faut le cas contracter. Qui j'en contraction musculaire, ça après le fait. Premier bagage pour gagner, il faut un chef qui vous dit muscle, dégage au fait et contraction. Et chef ça, l'autre ça va venir de nerf. Et nerf là, le rivé sous muscle, il va pas agrandir cette section côté nerf là rivé sous muscle. Ou pas gain ça relait jonction neuromusculaire ou encore myoneural. Et les jonctions ça de type synapse. OK, côté ou gain information va arriver du nerf. OK, pour le retransmettre au niveau du muscle par l'intermédiaire de petits vésicules qui contiennent des hormones. Et ces hormones, comme hormones, ça permet justement de retransmettre action de nerf au muscle. Et ça, des neurotransmetteurs. Et ces hormones, ça qui peuvent agir sur une série de petits côtés qu'on appelle des sites d'action et qui peuvent provoquer la contraction musculaire. Exemple de neurotransmetteurs, d'antagoniste à neurotransmetteurs, par exemple, si ou qu'on produit qu'on bail qui empêche retransmission. OK? Myoneural, ça, c'est-à-dire retransmission de l'ordre du nerf au muscle. Par exemple, le curare. Par contre, si on entend de parler du curare, ce sont les Indiens d'Amazonie. Ils ont essayé de zambre les sarbacanes, quand ils ont des fléchettes, qu'on mettait nos tiges bambou, et puis, ou souffler la donne, et puis, petit fléchette en l'air. Mais peut-être fléchette en côté du curare. Et le curare est un antagoniste. OK, il a pas empêché neurotransmission et lorsque il vient empoisonner mon n'a pas qu'à faire contracter muscle parce que il a empêché action neurotransmetteur là et automatiquement alors m'a dit mon zanimoi il vient paralysé malheureusement il a besoin de l'action musculaire de ses muscles respiratoires comme il va pas manger donc maintenant il est paralysé et puis tout mourir tout fait. Donc, une fois que l'action a été donnée par le nerf, qu'est-ce qui va se passer? Vous songez, vous avez une bonne actine et myosine, vous pouvez coulisser. Là, vous séparez, là, vous coulissez, vous séparez. Le muscle se redressit et en même temps, il se gonfle, il se contracte. La contraction musculaire va permettre de faire l'action des muscles. Alors, nous avons deux types de muscles striés. Ça qui vient coller sous peau hein, seulement. On appelle ça les muscles fossiers. Premier, ça qui est important, ce sont les muscles de la mimique. C'est ça qui permet de faire grimace, c'est ça qui permet de montrer figure en colère, le content. Donc, ce sont les muscles fossiers de la face, les muscles de la mimique. Mais au niveau du couteau, ou bien ça ou les muscles fossiers. OK, mais le contracté, le métisal, bon. Les muscles qui partent fossiers sont les muscles squelettiques parce qu'ils sont attachés sur le squelette. Et leur attaché sur le squelette, ils sont attachés sur deux os différents et ils permettent, grâce à l'articulation, l'action de ces muscles. Okay? Lorsque muscles font des actions contraires, vous parlez les muscles antagonistes. Par exemple, vous avez deux muscles, biceps et brachial, qui permettent de faire flexion de l'avant-bras sur le bras. Donc, vous parlez les muscles agonistes. Mais par contre, okay, le triceps qui est en arrière fait une action contraire au biceps qui est en avant, vous parlez les muscles antagonistes.
Et les muscles vont appliquer le système des leviers. Messieurs, pour que 9e année n'est pas trop loin pour vous. OK? Comme c'est nouveau secondaire. NS3 ou fait, si je ne me trompe pas. OK? Donc, vous avez action. Et vous avez deux types d'action. OK? Un système de levier qui fonctionne avec un avantage mécanique, c'est-à-dire que force qu'on développe ou même, il vient multiplier qui fait que ou ka on force qui plus gros ou il a un désavantage mécanique donc force que obligé faire OK il vient supérieur à charge donc ou gain trois types de levier par contre songer premier genre deuxième genre troisième genre suivant côté qui ça qui l'en mi-temps ainsi regardez bien au niveau du point d'appui. OK, lorsque le point d'appui se trouve entre la charge et la force, on a le levier du premier genre, on retrouve ça au niveau de la tête. OK, exemple, vous avez la paire de ciseaux, ou bien levier du deuxième genre, la brouette, au niveau de la cheville, levier troisième genre, par exemple, lorsque on va soulever en force avec le sexe. Bon, c'était tout. Alors, il y a deux autres types de muscles dont on n'a pas parlé. Justement, ce sont les muscles lisses qu'on retrouve au niveau des viscères. C'est ça qui permet l'intestin à bouger, l'estomac à bouger, les mouvements de péristalsis, etc. C'est ça qui permet que la vésicule biliaire qui est au niveau du foie à l'île contractée, puis le foie est dans l'intestin. Ce sont les muscles lisses qui ont une forme lisse, ils ne sont pas striés comme le muscle squelettique et ils ne dépendent pas de la volonté. Alors, ce que les muscles squelettiques striés et les muscles fossiers, OK, ils dépendent de la volonté. Nous avons un muscle squelettique particulier qui est strié, strié, particulier qui n'est pas squelettique, mais qui est strié, mais qui ne dépend pas de la volonté, c'est le muscle cardiaque. Voilà, m'espérer que Sambola, on résumé. Donc, Wadim, si Sambola, bon. Alors, ou toujours capable, m'a voué lien pour vous, parce que je vais le mettre sur page Facebook. Hein. 6 ans moulin ou ka soit bail et si vidéo ça que me fait ou ka bail zan mouyo ou bien ka tout dio aller sur page point ou l'autre enseigne. Merci beaucoup et au revoir.